sa grouille d'ennemis. Et en plus, il y a ces saloperies d'hélicos de lanterne. On peut savoir ce que ce cristal fait exactement. Ah oui, oui. Ce sont des cristaux capables de s'auto-régénérer. Vous devez détruire rapidement tous les cristaux qui restent pour les empêcher de se reconstituer. Quelqu'un va encore devoir détruire ce cristal. On doit empêcher ces cristaux de se régénérer. Éteindre ces flammes! Je peux pas finir sans elle!
Je suis prêt pour l'anti-lanterne. Allons dans cette banque. Bien que le cours des... Le cerveau ne s'améliore pas tout seul. Enfin, pas encore. Actions de si j'étais milliardaire, je passerais pas mes journées à regarder qu'un toujours à son apogée. Écoute un peu, homme mystère. Le dernier trophée que je trouverai, ce sera toi. Et tu vas passer un sale quart d'heure. La voie est libre. Entrons dans cette banque et chauffons l'anti-lanterne. Harley. C'était... Pas tout ? Ouais. Suspendre des gens, c'est vraiment ça. Après les avoir rendus à moitié infirmes. Au moins, il respirait quand il en avait fini avec eux. Pas comme ces pauvres types. En tout cas, il aime pas attendre l'ascenseur non plus. Hé hey, t'as déjà été poussé dans une cage d'ascenseur, Boomerang? Seulement par mes amis. C'est tout Wayne, ça. Une banque entière, rien que pour son argent. C'est pas pour son... Il a sûrement des comptes offshore. Offshore? Oui, à l'étranger, quoi. C'est bon, on y est. Trouve une prise pour brancher ce truc, Sharky. Les milliardaires et leur base secrète. J'étais bien dans ma base sous-marine. T'as quoi ? Pas d'alarme. Voilà qui est plutôt positif. Building, ça se fait vraiment pas. Oh, bordel! C'est de la kryptonite. Elle devrait être dans une épée, pas un bouclier. Vous avez vu le massacre là-haut. Tes amis ne peuvent plus être sauvés. Combien de vies innocentes seront encore perdues à cause de ton entêtement ? Je n'ai pas besoin qu'un requin me fasse la morale. Nous aime bien. Les princesses. Ah, tout aussi têtues et saintes qu'elles soient. Ah, je ne peux pas être là en personne. La sécurité, avant tout. Surtout la mienne. Mais si la sécurité du labo est désactivée, je devrais pouvoir... Voilà. L'OPA la plus facile de l'histoire. Je vais avoir besoin d'un moment pour trouver ce qu'il nous faut. Une arme pour vaincre Green Lantern. Pourquoi Batman a-t-il de telles armes? Green Lantern est son allié. C'est un truc de Richard, ça. Toujours à accumuler.
Je dis pas ça pour toi. Mais tu pourrais. Je suis extrêmement riche. C'est bon, tu as fini? Oh, ok. Motus là-dessus. À quoi tu joues, vieil homme? Je veux récupérer ma ville. Si pour ça je dois sauver le monde des griffes de Brainiac, pourquoi pas? C'est bon pour ma com. Mais laissons le sacrifice héroïque à Wonder Woman. Je peux être un puissant allié. Faites-moi confiance. Contrairement à vos maîtres au hall de justice, moi, je joue carte sur table. Incroyable, ces branques ont réussi. La troisième fois était donc la bonne. Mais je connais ces animaux, incapables de suivre des ordres. Ils n'auront pas le choix. Dans son vaisseau, Brainiac a de quoi contrôler les esprits. Imaginez ce que l'Argus pourrait faire avec ce pouvoir. Une fois la Justice League éliminée, quelqu'un devra bien mettre au pas tous les méta-humains. Et il faudra que ce soit nous. Et pour la Task Force X? S'ils meurent, ils meurent. S'ils s'en tirent, on prend le contrôle. Dans tous les cas, pour eux, la fête est finie. Je le savais. Non, tu pensais que nous pouvions regagner notre liberté? Je sais pas pour vous, mais j'en ai marre de me faire poignarder dans le dos. Ah, Waller pourrait le faire en face. Ok, Lex, on a compris. Entre Waller et toi, c'est toi qui as l'option qui pue le moins. Aide-nous à éliminer Lanterne et la Ligue, et on te laisse partir. Pour le moment. Oh, excellent. L'utilisation de ces appareils devrait vous permettre de mettre un terme à la loi martiale de votre Green Lantern. Batterie du corps de Sinestro. Wayne comptait contrer les pouvoirs de Green Lantern avec ça. Cet appareil vous permettra de déstabiliser ses constructions et de rendre Green Lantern vulnérable. On a tout ce qu'il faut pour botter le cul du flic vénère de l'espace. C'est parti! Sinon, on pourrait faire n'importe quoi d'autre. Pour s'entraîner, je veux dire. Pas que je sois nerveux! Sans commentaire. C'était déjà un commentaire. On dirait que ces tableaux nous regardent. On est dans la merde jusqu'au cou, et tu parles de tableaux hantés? Eh, c'est une façon de gérer le stress. Regroupez-vous devant cette foutue porte. Task Force X, au rapport. Vous êtes prêts à affronter Green Lantern? Nous avons une chance de neutraliser ce bouclier. Ne la cachez pas. Nous ferons de notre mieux. Un spectacle éblouissant, le destructeur! Tu
pas le sang de Flash sur les mains, Bruce. Diana, fais attention à ce que tu dis. Je sais que tu as fouillé dans mon coffre. Qu'est-ce que tu comptes faire de cette kryptonite? Ce que j'ai toujours fait, Bruce. Ce qui est juste. Je te vois bientôt avec Lanterne et Cal. Quinn, il y a une chose que je pige pas chez toi. Ouais, une seule chose. Tu veux tuer la Justice League, mais t'es une grande fan de Wonder Woman. Tu vois, au mystère, le cerveau, c'est un muscle comme les autres. Ça t'embouche un coin, hein? Lanterne. Je pense que les criminels ont accès à la technologie Yellow Lanterne. Ah, vraiment? Il leur faudrait tout le corps des Yellow Lanternes pour me passer sur le corps. Je t'aurais prévenu. Aucun signe de vie à signaler. Au fait, Task Force X, je suis en train d'écrire mes mémoires. Diriez-vous que vous abandonnez par soumission ou par peur panique? Une déchirure dans le tissu de la réelle. Vous avez vu? Le Daily Planet l'a nommé le Skullship. Bombard dit que c'est hyper sérieux. Un vaisseau qui ressemble à un crâne géant. Et la Justice League est montée à bord de ce truc. Allons bon. Superman. Green Lantern. On a l'habitude que des extraterrestres viennent nous aider à maintenant. Peut-être, mais pourquoi personne n'est encore venu nous saluer? J'aurais pu être noir. Superman noir. Batman noir. Green Lantern blanc. Exactement. Qu'il soit différent de la ligne. Ça n'a pas été suffisant. Livraison à l'heure exacte. Je pensais que j'allais devoir vous suivre à la trace. Genre comme des chiens. Et vous voilà. Et nous voilà. Des Yellow Lanternes? J'espère que... vous les avez trouvées dans des pochettes surprises? Elles sont minuscules! La taille compte pas. Elles peuvent briser la volonté d'une lanterne. Ça va, ta volonté? Regarde-moi, le détenu. Je me sens frais et dispo. Et toi, Floyd, comment tu te sens? Comme une baraque à frites. Prêt à te botter le cul. Et vous, la pêche? J'ai un peu perdu le fil. Parler. Vous êtes en train de me gâcher ma réplique, là. En plein jour, ou dans la nuit noire, nul mal n'échappe à mon regard. Que ceux qui, devant le mal, se prosternent, craignent la lumière des Green Lanternes. Comme sens Planck, hein? Unité aérienne, balayez-moi la zone. Une demi-heure dégagée. Non! Le pouvoir, vous ne briserez pas ma volonté. Intéressant.
ça fait des semaines que j'ai intégré l'armée de Brainiac. Qu'est-ce que... Processez-toi. Retiendrai donc jamais la leçon.
peur de toi, mec. C'est moi qui ai le plus gros flingue. J'adorais le vert, mais c'était avant de te connaître, connard. T'es le prochain. C'est une ordure de première. Et comme tueur, toujours actif. Green Lantern garde partiellement le contrôle. Qu'est-ce qui se passe, Lantern? Tu te sens plus aussi frais et dispo qu'avant? Ouais, c'est ce que je pensais. C'est chaud quand le combat est équilibré, n'est-ce pas? Un combat équilibré? Vous êtes pathétique. $4 trop bêtes pour comprendre qu'ils ne font pas le poids. Vous irez juste de la prison de Waller à celle de Brainiac. Non. T'es pas au courant? Ils nous relâchent pour bonne conduite. Non, c'est faux. Foutu le vaisseau en pétard. Et le foutu bouclier toujours actif. Non, tu l'as manqué. On est censé faire quoi maintenant? Il commence à plus trop y avoir de sbires de Brainiac à buter. On pourrait attendre que Batman surgisse d'une grille au sol et nous mette à tous un taquet dans la tête. On pourrait se le faire. Tu sais combien de gars j'ai dû se faire suspendre après avoir dit qu'il pouvait botter le cul de Batman? Alors maintenant qu'il est en mode meurtrier psychopathe, il pourrait nous écraser sans aucune... Wow. Ah, qu'est-ce que tu fous là, Sharky? Shark? Qu'est-ce que t'as là, mon pote? Ce serait bien de lui prendre ses trucs. Tu veux essayer? Bravo, Shark!
Waller, le bouclier est tombé. Bien reçu. Heureusement que tu nous as pas bouffé, mon pote. Ne recommençons jamais ça. Waller. J'aimerais vous remercier pour votre aide, Task Force X. De quoi ? Merci de nous avoir offert une ouverture. Vos peines seront commuées à titre posthume, en reconnaissance de vos efforts. Impact en 10. Ou alors, toujours pour l'option nucléaire. Oh, et puis merde. C'était l'angoisse de traîner avec 5, 4, 3, 2, 1. Superman! Oh merde, c'est Superman! On peut rien faire pour tes amis, ma belle. Flash te l'a dit. Soit tu te réveilles et tu nous aides, alors botter le cul. Soit tu nous laisses faire. Votre grand. Il est encore là, quelque part. Peu importe ce que Brainiac leur a fait, je peux encore les... Changement de plan, Task Force X. Mon convoi a été attaqué en chemin vers le hall de justice. Sortez-nous de là. Vous lâchez une bombe sur nos têtes et vous croyez qu'on va gentiment rappliquer dans la seconde? Mes signes vitaux sont liés à vos nanobombes. Je meurs, vous mourrez. Bougez-vous maintenant. Terminé. Malgré les émotions complexes que m'inspire Amanda Waller, je propose que nous allions la sauver. Nous avons des rangs. Le temps, madame. Vous avez... Merde.
les chasses au trésor de l'homme mystère vraiment stimulantes. Notre Je tiens à posséder tous les trésors de la surface. Bravo, William. Tu veux un bon point? Désolé du retard. On a eu quelques bouchons après cette foutue frappe nucléaire. Oh, Berk! C'est foutu, Waller. Alors, vous allez commuer nos peines tout de suite, ou est-ce qu'il y a un genre de cérémonie? Task Force X! Nouveaux ordres. Ramenez-moi au hall de justice. Gizmo, il nous faut une caisse. Une demande audacieuse, venant d'une traîtresse. On en a déjà parlé. Vous êtes tous remplaçables. C'était clair depuis le début. Remplaçable, ok. Mais sensible. Vous en discuterez plus tard entre vous. Gizmo! Gizmo, tu m'entends, mec? Je vous couvre là! Je vous envoie un petit peu de chose! Salut, beauté! Enfin les choses comme je les vois. Et où est passé Boomerang, bon sang? Pas d'inquiétude. Il revient à tous les coups. Dégagez. Je vais conduire.
déjà mangé de la glace, Sharky? Gentil requin. Voilà, bon musée. On tuera tout ce qui se met en travers. On vivra peut-être tous assez longtemps pour que vous nous trahissiez à nouveau. C'est ridicule. Me voilà en état de choc. Et Superman détruit sa propre ville. En plus, on n'a plus de glace. J'ai littéralement le doigt sur le détonateur, à l'instant même où je vous parle. Restez près de ce camion. Dégagez tout ce qui se met en travers de ma route. Brainiac, j'évalue la situation. Je vous ai conseillé de garder Superman au chaud, de ne pas l'utiliser trop vite. Diana pourrait être un atout. Oui, elle aussi. Pourquoi risquer de perdre l'un des deux? Bien, Brainiac. Les forces convergent vers l'emplacement de Waller pour décapiter leur pitoyable résistance. Qui, si Wonder Woman n'arrive pas à le battre? Tout de même, quel spectacle que la toute-puissance de Superman. D'accord, Sharky. Mais pas quand elle est braquée sur nous! La pompe Wonder Woman dans les collègues dans le ciel en ciel. Eh bien, la projette est arrêtée ainsi qu'il se dirigeait vers le Skullship. Je crains qu'il ne soit plus de notre côté. Je ne sais pas ce qui a déclenché le combat, mais... Wonder Woman a essayé d'éloigner Superman des civils. Il y a des ennemis sur les toits et ce véhicule n'est pas adapté au combat. Dégagez-moi un passage. On a repéré des snipers dans la zone d'opération. Mais c'est quoi le problème avec ces données? Avancez et occupez-vous de ces ennemis. Ne m'obligez pas à répéter.
talent. Explosez-moi, Deadshot! Nous devons pénétrer dans le sanctuaire. Oh, maintenant! Okay.
toujours ici? Non? Alors aidez-moi! J'ai besoin d'un seul d'entre vous. Les trois autres, vous êtes déjà morts. T'aurais pas dû faire ça, Shark. C'est Superman. Il va te botter le cul.